Dans la vie, il faut jamais abandonner. Ça, tu vois, c'est le pire conseil que t'as jamais entendu. En tout cas, c'est ce que dit Seth Godin dans le livre de Dips que je vais résumer aujourd'hui. Ce qu'explique Seth Godin, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est savoir abandonner, mais abandonner stratégiquement. Plus tu sais abandonner, et plus t'as de chances de persévérer quand c'est vraiment important. Ce qu'il explique, c'est que si dans un domaine particulier, tu ne peux pas être le meilleur du monde, le numéro 1, eh bien ça sert à rien d'avancer et de persévérer. Faut juste trouver ce dans quoi tu peux devenir le meilleur et dans ces domaines-là, ne jamais abandonner. Parce que ce que dit Seth Godin, c'est que le problème fondamentalement, c'est pas qu'il faut toujours persévérer ou jamais abandonner, mais plutôt qu'il faut jamais être entre deux. Il faut éviter toutes les situations où tu vas rester médiocre dans un domaine parce que t'as pas le niveau pour être au top, donc tu vas pas te donner à fond, et en même temps, voilà, tu vas pas avoir le courage d'abandonner. Seth Godin explique qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire d'être le numéro 1 dans un domaine quand on se lance dans un projet. Parce que aujourd'hui, quel que soit le domaine, le nombre de choix est infini. On a une infinité de possibilités. Quand on veut acheter quelque chose, quand on veut voir un artiste, on a un choix qui ne s'arrête pas. Et pour cette raison, en fait, personne n'a le temps de choisir, personne n'a envie de choisir. Et comme on n'a pas envie de choisir, on prend juste le numéro 1 ou à la limite le numéro 2. On va rarement plus loin. Et ce phénomène-là, qui est que le numéro 1, le meilleur, rafle tout et que les autres, donc des poussières, c'est en fait une loi qui existe dans plein de domaines différents, qui s'appelle la loi de Zipf, qui dit que le numéro 1 a 10 fois ce que le 10e obtient, qui lui-même a 10 fois ce que le 100e obtient. Et cette loi, elle s'explique dans plein de domaines, notamment dans les parfums des glaces, parce que tout le monde préfère la vanille, de très loin, et aussi dans les box-office au cinéma, où c'est le premier ou le deuxième film le plus vu, qui va quasiment tout rafler. Et en plus, aujourd'hui, avec Google, la concurrence est toujours à portée de clic, et donc il suffit de faire une petite recherche pour que quelqu'un découvre que tu n'es pas le meilleur du monde et préfère aller chez la concurrence. Tout ça peut paraître flippant, c'est un peu la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'a jamais été aussi facile d'être le meilleur du monde. Ce que dit Seth Godin, c'est qu'aujourd'hui, on vit tous dans un monde différent, on vit tous dans un pays différent. Et par conséquent, il n'y a plus de meilleur du monde dans le sens classique du mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la meilleure musique, le meilleur film ou le meilleur café. Il y a plutôt le meilleur mochaccino. Il y a plutôt le meilleur mochaccino au soja que tu peux boire en terrasse de telle heure à telle heure. Les désirs aujourd'hui sont devenus tellement spécifiques que c'est facile d'être le meilleur du monde. En fait, être le numéro 1, c'est être subjectivement le meilleur dans un monde particulier. Quand tu fais des efforts dans un domaine et que tu veux obtenir certains résultats, il y a plusieurs situations possibles. Il y a plusieurs manières dont tes efforts vont être récompensés. La première situation, c'est ce qu'on appelle le cul-de-sac. C'est quand tu vas faire des efforts et que ces efforts vont t'amener aucun résultat particulier, et dans ce cas-là, bah, tu as toutes les raisons d'abandonner rapidement, parce que ça ne sert à rien, et que tu ne peux pas progresser dans ce domaine-là. La deuxième situation, c'est la falaise. C'est quand tu vas faire des efforts et que tu vas progresser, mais qu'en bout de course, si tu prévois un peu l'avenir, eh bien, ça ne te servira à rien et ça va te mener nulle part. Ça, c'est une falaise, et au bout de la falaise, eh bien, tu tombes simplement. Donc il faut éviter ça aussi. La troisième situation, c'est ce que Seth Godin appelle le dip. Le dip, c'est le creux de la vague. C'est une évolution où tu vas faire des efforts, tu vas avoir des résultats de plus en plus puissants, et puis parfois, à certains moments, tu n'auras plus de résultats et tu auras toutes les raisons de te décourager et d'abandonner. Et après avoir traversé cette situation, après avoir traversé cette barrière-là, ce creux de la vague, ben, tu vas remonter, tu vas avoir à nouveau des grands résultats. Ben, ça, c'est le dip, et tu dois essayer d'en avoir un maximum. Ces moments où tu as toutes les raisons du monde d'abandonner, et ben tu dois les rechercher activement parce que c'est ça, c'est dans ces domaines-là seulement que tu pourrais être le meilleur du monde et que tes efforts ont une utilité. En fait, une entreprise, ce qu'elle doit faire, c'est essayer de devenir irrattrapable. Et c'est ce que font très bien des grosses boîtes comme Microsoft ou Apple. Microsoft avec le lien entre le matériel et ses logiciels Excel et Word, ils ont une avance incroyable qui peut décourager la concurrence. Et Apple avec le réseau avec les utilisateurs à travers le Mac, l'iPhone, l'iTunes, l'App Store et tous ces réseaux de logiciels et d'outils qui vont faire que si aujourd'hui un nouvel arrivant va vouloir prendre leur place, eh bien il a toutes les raisons d'être découragé et de finalement ne pas le faire. Plutôt que d'avoir peur de ces dips, d'avoir peur de ces creux de la vague, eh bien, il faut les rechercher activement et les traverser. Pour illustrer ça, Seth Godin prend l'image de Cassidy Butch, qui était un bandit, un voleur de banque, qui, quand il était poursuivi pour être envoyé en prison, eh bien, au lieu de fuir vers le bas de la montagne, il allait vers le haut de la montagne, dans les collines, là où les gens qu'il poursuivait avaient beaucoup plus de raisons d'abandonner. Quand tu avances dans un domaine, quand tu veux te lancer dans un art ou dans une entreprise,
Ce qu'il faut, c'est rechercher le haut de la montagne, rechercher la difficulté, rechercher ce truc-là où la plupart des gens vont se décourager. C'est ce que je fais moi-même sur ma chaîne, où j'essaye de faire des défis qui sont le plus dur possible, hein, lire 30 livres en 30 jours, dire oui à tout, être vegan sans gluten, sans sucre en ce moment. Et quand je fais ces défis, ben je sais que plus j'en fais, plus je traverse de dips, et plus il y a des chances que les gens qui demain voudront faire une chaîne dans le même domaine, dans le développement personnel, vont abandonner à l'avance et laisser tomber cette idée de faire des défis exigeants. Parce que j'avance de plus en plus loin et je laisse derrière moi de plus en plus de dips, de plus en plus de creux de la vague. Et je les recherche activement. Et comprendre ça, c'est le meilleur moyen, quand on est dans un moment difficile, eh bien, de ne pas abandonner. Et de se dire, eh bien, ce moment où j'ai envie d'abandonner, bah, c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. C'est ma raison d'être. Parce que si j'ai envie d'abandonner maintenant, tous les gens qui vont suivre auront envie d'abandonner au même moment. Tous les gens qui sont passés avant moi ont abandonné à ce moment précisément. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que c'est important de continuer. Seth Godin explique pourquoi c'est important de traverser les dips et comment il faut prévoir à l'avance dans quelles conditions et dans quelles circonstances et à quel moment on va abandonner. Il faut le mettre par écrit. Plutôt que de laisser la panique et la peur décider au dernier moment, ce qu'il faut faire, c'est écrire précisément quand tu te lances dans un projet. Pourquoi, quand et comment tu vas abandonner si jamais tu t'autorises à abandonner. Et dans ce cas-là, tu vas abandonner seulement de manière stratégique et pas de manière émotionnelle. C'est très important de faire ça parce que souvent il y a des dips, souvent il y a des moments où on a des raisons d'abandonner émotionnellement, mais si on les traverse, eh bien c'est beaucoup plus facile d'aller jusqu'au bout de la course. Il y a l'exemple du marathon de Boston qui fait un peu plus de 25 km et il se trouve que personne dans le marathon de Boston, quasiment personne n'abandonne après le 20e kilomètre. Parce que c'est le plus gros dip, c'est le moment juste avant les 20e kilomètres, il y a plein de dips différents où les moments, les gens vont abandonner, mais passer le 20e kilomètre, c'est fini. C'est comme si c'était déjà gagné. Et il faut avoir conscience de ça aussi à chaque fois qu'on est dans le creux de la vague. J'espère que ce résumé de livre t'a plu. Si tu veux voir plus de résumés de ce genre-là dans le développement personnel, tu peux mettre un like et t'abonner à la chaîne. J'ai d'autres livres de Seth Godin que j'ai résumés. Je te mettrai les liens dans la description. Et maintenant, dans les commentaires, si tu veux passer de la théorie à la pratique, ce que tu peux faire, c'est écrire les conditions, les circonstances précises dans lesquelles tu vas t'autoriser à abandonner dans un projet précis. Moi, c'est ce que je fais par exemple avec mes projets 30 jours. Je m'autorise à abandonner au bout de 30 jours et voilà, seulement au bout de 30 jours, et après, je prends une décision. Et je limite les moments de réflexion où j'ai le droit d'abandonner et je les sépare des moments d'action. Donc, tu peux essayer de faire ça pour toi, pour tes projets dans les commentaires. Et aussi écrire quels sont les dips qui existent dans ton domaine. Et essayer de savoir comme ça si tu as des raisons de te lancer dans tel ou tel projet, parce que si ce projet, il n'y a pas de dips, il n'y a pas de creux de la vague, pas de moment d'abandon potentiel, et ben en fait ça sert à rien de se lancer dans ce projet-là. Et aussi si jamais ce projet présente des dips qui sont beaucoup trop forts pour toi, et bien il faut peut-être pas se lancer. Moi je sais qu'une bonne manière de choisir mes dips, mes creux de la vague quand je me lance dans un projet, c'est de choisir des choses qui sont des difficultés, des barrières à l'entrée pour les autres gens, mais qui sont beaucoup moins des barrières à l'entrée pour moi. Par exemple, je sais que j'aime bien lire et je sais que c'est un truc qui me plaît énormément, donc voilà, je choisis ce dips là qui pour moi est pas si impressionnant que ça, mais qui peut l'être pour d'autres personnes. Par exemple, si mon mode alimentaire aujourd'hui qui est vegan sans gluten sans sucre, en fait c'est pas si difficile que ça pour moi, mais je sais que beaucoup d'autres gens, pour la plupart des gens en fait, c'est une très grosse barrière à l'entrée. Donc voilà une petite piste pour choisir ces dips. Je te laisse écrire ces deux trucs dans tes commentaires, quels sont les dips dans tes projets et dans quelles conditions tu t'autoriserais à abandonner. Et on se retrouve très bientôt, c'était Ratch pour Autodisciple. Tchuss. Pour devenir un leader, t'as pas besoin d'être charismatique ou autoritaire. Il suffit que tu sois un hérétique, mais un hérétique qui fait la connexion. Je vais t'expliquer comment devenir cet hérétique et tu pourras commencer une révolution. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for... Depuis la préhistoire, on a tous besoin d'appartenir à une tribu. Une tribu, c'est un groupe de gens proches qui partagent la même vision du monde.